Oh, je n'en peux plus. Je suis éreinté, abruti. Octave, mon chéri, faites un effort. Je vous le demande dans votre intérêt. Non, maman, je ne peux pas. Je ne vois même plus mon tricot. Oh, et puis j'en ai assez. Et vous aussi, toutes les deux, vous en avez assez. Ah, mon pauvre enfant, moi j'en ai par-dessus la tête. Alors, vous voyez bien, ici encore, je mangeais à ma faim. Ah, oh, il y a des moments où la tête me tourne. Je suis sans force. Octave. Ah non, vraiment, je n'en peux plus. Octave, votre père va rentrer, il est dans un de ses mauvais jours. S'il vous surprend encore à planer, il fera une colère. Ah, ça, les colères, c'est ce que ton mari réussit le mieux. Lui, au moins, il a cette distraction. Sans compter le plaisir qu'il éprouve à disposer de nous tous, comme d'un bétail. Parce qu'enfin, il ne s'en prive pas. Soyez juste, maman. Hector se tue au travail. Hier encore, il a veillé jusqu'à 4 heures du matin. S'il est irritable, c'est qu'il est fatigué et inquiet. Pensez à tous les soucis qui l'accablent, aux menaces, toujours suspendues sur sa tête et sur les nôtres. Mon mari a toujours été un être égoïste et brutal, même quand vous étiez fiancée, et qu'il avait encore de quoi vivre à ne rien faire. Est-ce qu'il ne s'est jamais comporté comme un fiancé? Est-ce qu'il n'a jamais eu pour toi une attention, un mot de tendresse? Je suis sûre qu'il te témoignait moins d'égard qu'à ses chiens et à sa jument. Mais vous oubliez que vous m'avez vous-même jeté dans ses bras sans prendre mon avis. S'il était l'homme que vous dites, pourquoi ne m'avoir pas averti alors? À présent, il est trop tard. Mais depuis près de 25 ans que nous sommes mariés, pas une fois je n'ai regretté d'avoir épousé Hector. Non, maman, ne vous reprenez pas. Vous aviez raison. Il est trop tard pour vous. Et trop tard pour moi puisque j'ai eu le malheur de naître. Et de naître vicomte de Clérambard. Si je n'étais pas le rejeton d'une si illustre famille, j'aurais pu, au lieu de mener une vie de paria dans cette demeure historique, devenir employé de commerce, manger à ma faim, aller au café, au cinéma, sortir, être commis de ma grâce, valet de chambre, être employé du gaz. Je viens tuer un chat. Je l'ai mis dans la cuisine. On le mangera demain à midi. Oh, encore du chat. Ce sera le troisième que vous nous aurez fait manger cette semaine. Vous pourriez trouver autre chose pour soutenir votre personnel. Vous êtes bien difficile, ma belle-mère. Pourtant, Monsieur Deléré, votre époux tant regretté, ne vous a pas habitué à trop bonne chère. La preuve en est que j'ai dû épouser votre fils sans dot. Oui, sans dot, sans un sou. Pas même un trousseau ou une paire de draps. Au moins n'avait-elle pas de dettes. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous avez l'air d'insinuer? Allons parler. Oh, voyons, Hector, nous sommes pauvres, c'est entendu. Et pauvre n'est pas assez dire. Mais nous n'en sommes tout de même pas réduits à manger du chat. Vous êtes idiote, ma pauvre femme. Comme toujours. Et pourquoi ne pas manger du chat? En 1457, mon aïeul, Onivre de Clérambard, assiégé en la place de Blémont, a mangé du rat et du hibou. Et croyez que s'il en avait eu à suffisance, il n'aurait pas capitulé. Votre aïeul a été admirable, mais je pense qu'il ne faisait pas son ordinaire de rat ni de hibou. S'il s'est résolu à en manger, c'est qu'il était assiégé. Mais moi aussi je suis assiégé. Le château de mes pères a été vendu en l'encan, toutes mes terres y ont passé. Dans le vieil hôtel des comtes de Clérambard, où j'ai dû me replier avec les miens, je suis assiégé par les huissiers, les créanciers, les porteurs d'hypothèques. Pour sauver ces vieilles pierres, j'ai vendu tous mes meubles. J'ai condamné ma famille aux travaux forcés. Devenu tricoteur, emballeur, livreur. Je suis encore le contremaître que vous haïssez. Oh mais non, Hector. Vous savez bien qu'ici, personne n'a de haine contre vous. Et que vous pouvez au contraire compter sur notre affection à tous. Demandez donc à ma belle-mère ce qu'elle en pense. Demandez donc à mon fils. Je sais de quoi je parle. Je les connais bien, mes prisonniers. Parfaitement, mes prisonniers. Couchés à 2 heures du matin et levés à 5. Ce n'était pas assez d'être le plus misérable des forçats. Il a fallu que je devienne garde-chiourme. Et vous voulez m'empêcher de manger du chat? Ah, mangez donc du chat! Et mangez tout! Je vous donne ma part! Malgré tous mes efforts, je perds du terrain. La situation s'aggrave de jour en jour. On me presse de tous les côtés. Et les créanciers se multiplient comme une portée de souris. Je ne vous le fais pas dire. Si vous vendiez cette bicoque à courant d'air, où il n'y a plus de place qu'il en faut pour 50 personnes, nous pourrions enfin respirer. Et cette demeure est dans ma famille depuis plus de 400 ans. Est-ce que ça ne vous suffit pas? Il me semble que quand on possède une chose depuis 4 siècles, on doit en être fatigué. Du reste, si je la vendais, il ne me resterait pas, une fois les créanciers payés, de quoi nous faire vivre plus de 6 mois. Oh, 6 mois de vacances!
Vendez-la sans tarder. 6 mois de repos. De vraie vie. Silence, nom de Dieu. C'est pas en rêvant qu'on travaille. Oh mon Dieu, Octave. Il se trouve mal. Octave. Octave, mon cher. Restez à vos places. Restez à vos places, me dis-je. Quant à Octave, je vais faire le nécessaire, hein, mon garçon. Là, ça va mieux? Allons au travail. Voyons, Hector, vous n'allez pas l'obliger à travailler maintenant. Laissez-le se reposer. Je sais mieux que vous comment on doit s'y prendre avec lui. Octave est d'une nature indolente. Il a besoin d'être secoué. Brute! C'est révoltant. Vous êtes une brute. Hector, cet enfant est surmené. Le travail qu'il fournit est au-dessus de ses forces. À chaque instant, la tête lui tourne, il tient à peine debout, il est épuisé. Épuisé? Écœuré? Comment le serait-il pas, ce pauvre petit, à son âge, il n'a guère à se féliciter de sa condition. Vous lui avez fait la pire des existences, comme si vous étiez juré de le punir de vos propres erreurs. Ce grand monde, Clara Hambard, dont vous êtes si fier, ne lui aura pas porté chance. Et la faute à qui, sinon à lui? Alors que j'étais déjà pauvre, je me suis saigné aux artères pour qu'il fasse des études. Je voulais en faire un officier, avec un nom comme le nôtre et un sabre au côté, il aurait pu espérer un brillant mariage. Cet imbécile n'a pas été fichu de passer son bachot. Même le conseil de révision ne l'a pas pris, alors. Il n'y a pas que le métier des armes. Si son père l'avait aidé. Avec quoi? Silence, nom de Dieu! Soyez un peu plus au travail! Entrez! Pardonnez-moi, j'ai frappé à ma. Il n'y a trouvé personne, je me suis permis de monter jusqu'ici. Vous avez bien fait, monsieur le curé. Madame la comtesse, madame, monsieur le comte. Bonjour, restez longtemps. Je m'excuse. Restez si vous voulez, mais n'empêchez pas les gens de travailler. Nous ne sommes pas ici pour écouter des exhortations ni des orémus. Si peu qu'ils nous soient payés, notre temps nous est précieux et la toiture a besoin d'être réparée. Asseyez-vous, monsieur le curé. Merci. Je vous en prie, monsieur le curé, c'est très aimable à vous de passer nous voir. Mon gendre est d'un abord si peu agréable que nous n'osons pas encourager les visites. Nous sommes d'autant plus reconnaissants aux personnes qui veulent bien se risquer jusqu'ici. En tant que prêtre de la paroisse, je me devais depuis longtemps de faire cette visite. Et comment se porte le jeune vicomte? Très mal. Ah, c'est-à-dire qu'il est fatigué. Octave, monsieur le curé demande de vos nouvelles. Monsieur le curé. Je vois que vous êtes toujours très occupé. Ah, vous connaissez notre situation. Elle ne s'est pas améliorée. Peut-être que le terme de vos épreuves est plus proche que vous ne le pensez. Justement, je suis venu vous entretenir d'un projet. Puisque monsieur le comte est sorti, je serai plus à mon aise pour vous exposer la chose. Vous connaissez maître Galuchon, l'avoué de la rue Fantin? Oui, mon mari a eu affaire à lui. Maître Galuchon a 2 filles. Il s'agirait de l'aîné. Comment de l'aîné? Oui, les Galuchons sont très riches. Monsieur le curé veut dire que l'avoué souhaiterait marier sa fille aînée à Octave. Ben oui, les Galuchons sont très riches. Le père de monsieur Galuchon était un maquignon habile et réputé. Il a amassé une très grosse fortune. Quant à madame Galuchon, demoiselle Cudenot, les épiceries en gros Cudenot. Et c'est tout dire, hein. Ce sont donc des gens fortunés. Excellent catholique aussi, hein. Moralité irréprochable. Reste évidemment qu'ils sont d'un milieu modeste. Le grand-père, comme je vous l'ai dit, était maquignon. Reste aussi que la demoiselle en question, si elle n'est pas vraiment laide, eh bien elle est assez loin d'être jolie. Hein. Et pour la consoler de sa disgrâce, les parents veulent en faire une vicomtesse. Oh, mais c'est une jeune fille très bien élevée. Grosse doigt, des espérances du côté de son oncle le quincaillier. D'autre part, maître Galuchon laisse entendre qu'il aiderait monsieur le comte à libérer l'hôtel de Clérambas de toute hypothèque. Oh, Louise, il faut accepter. Peu importe la vie de ton mari. Octave est majeur, il n'a pas besoin du consentement de son père. Mais qu'il se marie! Mais qu'il parte, qu'il quitte ce bagne. Acceptez, mais vous n'y pensez pas, maman. Alors le sang, la race, la naissance ne seraient qu'une marchandise. J'aurais usé mes forces à des tâches écœurantes pour nous maintenir dans ces murs,
où s'inscrivent le nom et l'histoire des Clérambard, et j'accepterai qu'un avoué achète tout, le nom et les murs, avec une poignée de billets. Oh non, oh, je ne veux pas avoir souffert et manqué ma vie pour en venir là. Louise, pense à ton fils. Pense que tu tiens dans ta main les clés de sa prison. Mais rends-lui la liberté. Tu n'as pas le droit de t'arrêter à des considérations de naissance qui ne sont plus rien dans la situation où nous sommes réduits. Octave, qu'en penses-tu? Mais parle franchement. Mariez-moi, grand-mère. Mariez-moi tout de suite. Je veux m'en aller. Que ma femme soit chauve, qu'elle soit borgne ou édentée, elle sera pour moi la plus belle et la plus adorable des femmes si elle a pu m'arracher à cette existence de damnée. Je suis prêt à l'aimer de toutes mes forces. Mais qu'il se fasse vite, ce mariage, et qu'on en arrête la date sans attendre une minute. Car je suis à bout de patience et à bout de résistance. On ne saurait être plus net, hein? Vous accepteriez d'entrer dans la famille des Galuchons? Vous, vicomte de Clérambard, et d'avoir un oncle quincaillier? Mais oui, maman, puisque je ne tricoterai plus depuis le verre. Que pensez-vous que ce soit pour moi ce titre de vicomte que je porte dans l'ombre? Peut-il être autre chose qu'une dérision dans l'état de misère où je suis? Est-ce que vous croyez que je n'entends pas ricaner les gens sur mon passage et se moquer tout haut du vicomte de Clérambard qui s'en va vêtu tel qu'un palefrenier ne voudrait pas l'être? Ah, je vous assure que j'ai bien souvent voulu pouvoir vendre mon titre et mon nom contre un complet neuf ou un bon repas. Vous? Oh, je n'en reviens pas. Je t'en conjure, Louise. Ne ferme pas, Octave, cette porte de sortie. Oh, vous avez peut-être raison. Oh, mais non, il vaudrait mieux dire comme Hector que nous nous rendons à l'extrême nécessité. Mariez-vous donc, mon pauvre enfant, et puissiez-vous ne regretter jamais de vous y être résolu dans un jour de découragement. Puisque vous êtes dans ces dispositions favorables, il ne me reste plus qu'à convaincre monsieur le comte. Demain dimanche dans l'après-midi, maître Galuchon et sa famille seraient heureux de vous faire une visite. Qu'ils viennent. Oh, je m'en vais de ce pas porter la bonne nouvelle à maître Galuchon, qui n'attend pas sans une certaine anxiété le résultat de ma démarche. Un salaud! Je n'ai pas fini jusqu'au grenier. Ces abandons descendent sur la place. Mais vous parlez peut-être de mon chien? Je l'avais laissé à bas, de peur qu'il ne vous encombre. Est-ce que... Il est mort. Oh, par exemple. Et mon pauvre papillon. Mais comment la chose a-t-elle pu arriver? Je l'ai étranglé avec une corde. Monsieur le comte, vous n'aviez pas le droit. Vous le saviez que ce chien était à moi. Et même si vous l'aviez ignoré, rien ne vous autorisait à le tuer. J'en avais parfaitement le droit. Je suis ici chez moi, n'est-ce pas? Et libre de faire ce que bon me semble à l'égard d'un intrus, surtout s'il s'agit d'une sale bête qui montre les dents. Mais si vous voulez tout savoir, je dirais que je l'ai étranglé pour mon plaisir. Pour mon plaisir. Et comme il est bien gras, je m'en vais le mettre en saloir. Je vous l'interdis. Sa dépouille m'appartient. Eh bien, emportez-le et enterrez-le dans votre jardin de curé, qu'on n'en parle plus. Hector, c'est indigne. Oh, monsieur le curé, je suis consterné. Votre conduite est sans nom. Vous êtes un homme abominable. Et vous me faites horreur. Assez! Mais tout le monde au travail! Oh, monsieur le curé, vous ne saurez jamais à quel point je suis affligée par la mort de ce malheureux chien. Je comprends qu'un acte aussi sauvage vous atteigne personnellement, hein? Qu'est-ce que vous voulez, vous? Je suis Saint-François d'Assise. De passage sur cette terre, j'ai entendu les hurlements d'un pauvre chien à l'agonie. Pauvre bête. Et pauvre homme, en somme. Me trouvant dans votre grenier, j'ai voulu me faire connaître de vous. Je vous donne ce livre. Il vous parlera de ma vie. Quand vous l'aurez lu, pensez-y quelquefois. Et surtout, pensez à vivre mieux que vous l'avez fait jusqu'ici. Qu'est-ce que ça signifie? Vous avez vu ce moine? Non, mais quel moine? Un moine vêtu d'un manteau. Mais non, il passait sur la place. Mais non, il était... Vraiment,
Vous n'avez pas vu un moine? Vous avez rêvé. Il se fait tard. Il faut que je me retire. Je vous souhaite un bonsoir. Bonsoir, monsieur le curé. Octave, reconduisez monsieur le curé. Je tiens à vous dire, monsieur le curé, combien je suis navrée. Je n'aurais pas été plus bouleversée si c'était agi de mon propre chien. Ah, j'ai perdu l'âme de mon compagnon, hein, et qui m'aimait bien. Hein. Croyez bien que je suis désolé, moi aussi, monsieur le curé. Ah. Papillon, il est mineur. Ah, ah, monsieur le comte, vous aviez voulu me faire peur, hein? Ah oui, ma bonne maître, c'est ton maître. Ah, tu es content, hein? Ah là là là, je ne te quitterai plus, hein? Oh, quel soulagement! J'ai cru mourir de confusion. Vraiment, gendre, vous avez des plaisanteries d'un goût détestable. Vous paraissez abattu tout d'un coup. Oh, vous avez les yeux fiévreux. Je vous trouve mauvaise mine. Seriez-vous malade? Malade? Non, je suis plutôt... Oh, fatigué, n'est-ce pas? Oh, vous voyez, ce n'est pas impunément qu'on travaille comme vous le faites. Il arrive un moment où l'on est à bout de résistance, physiquement et moralement. On en est tous plus ou moins là. Il est temps de chercher à nos ennuis une solution pratique. Monsieur le curé venait justement de la part de Maître Galuchon en vue d'un mariage entre Octave et l'aînée de ses filles. Oui. Mais ce moine, vous l'avez bien vu? Il avait un livre à la main. Mais quel moine? Je n'ai pas vu de moine. Pourquoi me parlez-vous toujours de ce moine? Un moine vêtu d'un grand manteau. Mais où aurais-je pu voir un moine? Il avait un livre à la main. Vous le voyez, ce livre, au moins? Bien sûr. Vous achetez des livres, maintenant. Moi, quelle supposition? Pensez bien que je ne gaspille pas de l'argent à acheter des livres. Du reste, je n'en ai jamais acheté. Et c'est bien ce que je vous dis. Ce livre, il n'est pas venu tout seul. Et le chien! Le chien du curé! Louise vous parle de l'établissement de votre fils. Vous n'allez pas revenir sur cette mauvaise plaisanterie qui n'a d'ailleurs amusé personne. La demoiselle est laide. C'est la fille Galuchon. Sa mère s'appelait Cudenot. Cette demoiselle qu'on veut marier à Octave est la petite fille d'un maquignon et d'un épicier. Oh, je sais bien, Hector, il y a de quoi être accablé et je comprends votre surprise. Mais nous ne sommes pas dans une situation à nous montrer difficile. Oh, la dot sera très importante et l'avoué libérerait l'hôtel de Clérambard de toute hypothèque. Pourquoi ne pas accepter? Oui, pourquoi pas? Oh, vous pensez bien que ce n'est pas sans un grand déchirement que je me suis résolue à envisager pour Octave la possibilité de prendre femme dans un pareil milieu. Vous m'écoutez? Quoi? Je vous disais... Entrez! Bonjour, messieurs, dames. Ben, répondez pas tous en même temps, hein. Je répète. Bonjour, messieurs, dames. Madame. À qui ai-je l'honneur? L'honneur? On m'appelle la langouste, parce que j'ai des taches de rousseur sur le ventre. Mon nom, c'est Léonie Vincent. Mais le commissaire de police, lui, il dit la fille Vincent. Nuance! Vous saisissez, madame de Tralala? Ah, hier soir encore, monsieur le commissaire, il me l'a chanté, la chanson des vaches. Hein. Une salope! Voilà ce que vous êtes! La honte de la ville. Finissons-en, qu'est-ce qui vous amène? Je viens pour acheter un pull vert. Ben, on m'a dit que vous aviez un petit modèle tout ce qu'il y a de gentil. Et pas cher du tout. Vous méprenez. Nous ne sommes pas des commerçants. Nous travaillons pour nos bonnes œuvres. Mais ben, vous êtes sûr? On m'avait pourtant bien dit... Vous mentez. Nous ne travaillons pas pour nos bonnes œuvres, mais parce que nous sommes dans la misère. Vous, qui prenez ordinairement tant de soin de le cacher. Je ne vous comprends plus. Madame la Comtesse. Oh, mais quel vacarme. Oh, excusez-moi, madame la Comtesse, je suis confuse. Vous allez me demander ce que je fais avec une cuvette. Oh non, je ne vous demande rien. Figurez-vous, chère madame la Comtesse, qu'il m'est arrivé un ennui. J'avais chez moi une cuvette en faïence, posée à même le plancher. Faut vous dire que chez moi, il n'y a pas de table, hein. Vous savez ce que c'est qu'un ménage de jeune fille?
On se monte petit à petit, il manque toujours quelque chose. Ma cuvette était donc par terre. C'est un détail, mais vous allez voir. Cet après-midi, j'avais chez moi un militaire. Un jeune homme distingué, vous savez. Hein. Oh, distingué, de l'éducation et une belle nature de soldat. Et voilà qu'en remettant sa culotte, eh bien, il trébuche. Et il prend le pied dans ma cuvette. Oh, je vous en prie, nous en savons suffisamment. Tout ça pour vous expliquer qu'il a fallu racheter une cuvette. Et pour une femme élégante, c'est indispensable, n'est-ce pas? Bah aussi bien pour laver ses pieds, son visage que son entresol, que pour faire tremper son linge sale et ses épinards. Hector! Hector! Quoi? Oh, c'est insupportable, nous ne sommes plus chez nous. Qu'est-ce que vous voulez? Acheter un pull au vert. Qui vous a dit que j'en fabriquais? Quelqu'un de vos relations qui me veut du bien. Discrétion, n'est-ce pas? Je serais vraiment surprise que nous eussions des relations communes. Quand vous aurez mon expérience du mal, chère madame, vous ne direz plus ça. Choisissez, faites vite. Ah, enfin, quelqu'un d'en pressé. Oh, celui-là me plairait bien, dit. C'est bien la forme que je cherchais, hein. Ça vous fait le pectoral coquin. Et puis le rouge, ben c'est la couleur de la langouste. Oh, il a l'air d'aller. Si je me retenais pas, je le mettrais tout de suite. C'est combien? 60 francs. Oh, dis donc, 60 francs, rien que ça. Vous me direz, j'ai l'air distingué. Ça, je veux bien. Mais chez moi, c'est tout en surface. Faudrait pas me prendre pour une femme du monde. Trop cher, il y en a 40. Mais il est trop moche. Allez voir ailleurs. Vous verrez ce que vous aurez pour le prix. Moi, je sais bien. Trop petit, trop cher, trop moche. Pour les purées, il y a toujours quelque chose en trop, c'est jamais dans la poche. Si le commerce était mieux fait, c'est le client qui devrait faire son prix. Joli raisonnement. Oh, voyons, Hector, servez cette personne et finissons-en. Faites votre prix. Oh, c'est vrai? Oh. Vous alors, vous me plaisez, hein, je vous le dis. Ça fait du bien de penser qu'en France, il y a encore du monde qui sait vivre. Et les manières raglant, je peux vous en parler. Ça devient rare. Voyons, Hector, vous n'allez pas permettre à n'importe qui d'emporter notre travail pour une somme dérisoire. Faites votre prix. Ah, c'est stupide. Oh, merci, dites. Qu'est-ce que vous direz de 35 francs? Non, hein. C'est pas assez. Moi, bon, je peux aller jusqu'à 40. 42, mais je peux pas aller plus loin. Oh, merci, dites. Tenez, la 40. Bon, merci. Et salut, hein. Vraiment, Hector. Vous faites tout d'un coup bon marché de nos efforts et de notre peine. Et je pense que si vous vouliez faire le généreux avec quelqu'un, vous auriez pu choisir une autre personne que cette créature. J'ai entendu dire qu'elle se vendait aux soldats de la garnison pour 5 francs. Foutez-moi la paix. Il n'y avait pas de raison de faire pour elle ce que vous n'avez jamais fait pour personne. Allez aider plutôt votre mère. Et ce soir, vous vous reposerez, nous ne travaillerons pas après dîner. Excusez, j'ai oublié ma cuvette. Eh, salut, hein. Et encore merci, hein. Oh, oh mon Dieu, un homme tout contre moi, mais c'est affreux, hein. Et si mon fiancé la connaît, et mes parents, et mes amis, et mes domestiques. Ouh, j'espère que vous êtes un galant homme, que vous saurez vous taire. Je vous demande pardon. Oh. Adieu, mignon. La langouste. C'était la langouste. Là, sur le seuil. Elle me parlait, tout près de moi. Elle me regardait. C'était la langouste. Qu'est-ce que vous avez? Elle était contre moi. J'ai senti sa cuisse. J'ai senti sa poitrine. Sa poitrine! Voilà, c'est bon, calmez-vous! Me calmer? Mais comment voulez-vous que je me calme? Ah, si vous saviez! Eh bien! Il y a 10 ans que je pense à cette fille, que je rêve d'aller chez elle, d'être à elle.
Je n'étais encore qu'un enfant. J'avais 13 ans, 12 ans. Je l'ai rencontré. Je connaissais sa maison dans la ruelle aux brebis. Et je passais, je repassais. Je respirais l'odeur de son couloir. Le soir, je n'arrivais pas à dormir. J'avais la fièvre. Et j'imaginais. Oh, le diable sait ce que j'imaginais. Et maintenant ? Rien n'est changé. Sauf que je suis plus impatient. Plus timide aussi. Plus honteux. Elle a beau avoir 10 ans de plus, j'y pense plus que jamais. Et j'imagine toujours. J'imagine. À n'en plus finir. Tenez, pas plus tard qu'hier, je suis passé par la ruelle aux brebis et devant chez elle, à l'entrée de son couloir, je me suis arrêté. J'avais les dents serrées, les jambes molles, j'étais glacé. Enfin, je suis stupide. Je ne sais pas pourquoi je vous dis tout ça, pour ce que ça peut vous faire. Vous avez bien fait, je suis votre père. Enfin, je vais épouser une des filles Galuchon. La plus laide, mais c'est toujours ça. On travaille ce soir ? Non. Ah, tant mieux. Tiens, un livre. Vie de Saint François d'Assise, édition du Ciel. C'est vous qui lisez ça ? Je vous préviens, pour vous qui n'aimez pas lire, voilà un livre qui n'a rien d'attirant. Pourquoi ? François d'Assise, si j'ai bonne mémoire, était ce moine si débordant de charité qu'il aimait toutes les bêtes, même les plus sauvages, et s'en faisait aimer. Vous êtes sûr ? Mais oui, j'en suis sûr. Vous paraissez déçu. Évidemment, un récit de chasse ou un roman policier conviendrait mieux à votre humeur. Ah, laissez-moi, allez-vous-en ! En 1182, naissait à Assise celui qui devait être Saint François. Mes anges, coucou, Merle, Loriot. Tous là, je vais faire. Quand je serai dans les villes, j'inviterai les hommes à venir vous voir dans vos bois. Je leur dirai qu'il ne suffit pas d'aimer son semblable, mais qu'il reste d'autres êtres à aimer. Ils sont si bons, si beaux, qu'ils ont des voix de paradis et des ailes comme les anges de Dieu. La forêt, c'est encore un peu du paradis perdu. Dieu n'a pas voulu que le premier jardin soit effacé par le premier péché. Sur toute la surface de la terre, il a semé des forêts profondes pour que le pécheur puisse retrouver sa bonne chance dans la compagnie des bêtes qui furent le témoin de son innocence. C'est le loup. Bonjour mon frère, bonjour. Tu m'as l'air bien heureux. Je suis au courant. Tu viens encore de manger un agneau. De quoi t'afflige-tu ? N'es-tu pas justement créé pour manger les agneaux ? Va, c'est dans l'ordre du monde. Mon frère loup, tu ne mérites aucune des malédictions qui t'accablent. Écoute, écoute le chant des oiseaux. C'est le tien. Tes hurlements, c'est ainsi que Dieu les perçoit. Écoute, loup, écoute.
enfermé à clé dans cette pièce. Qu'il ne veut voir personne, entendre personne. Enfin, c'est à peine s'il me répond par une parole d'impatience quand j'essaie de lui parler à travers la porte. Que voulez-vous? Il passe son dimanche comme il l'entend. Oh, sans manger, sans dormir. Hier soir, quand je l'ai quitté, il se préparait à lire un livre. Allons donc, votre père a horreur de la lecture. Voyez-vous, je pense que c'est l'idée de votre mariage qui l'occupe. Vous lui prêtez des sentiments de sollicitude qu'il ne m'a guère prodigués jusqu'à présent. Hier soir, après le départ de monsieur le curé, je lui ai parlé de ce mariage avec la fille Galuchon. Il était d'accord? C'est-à-dire qu'il avait l'air de l'envisager avec résignation. Ce sont peut-être ses scrupules qui le tourmentent maintenant. Eh bien, qu'il se décide pour ou contre. Et dans une demi-heure, les Galuchons seront là. Il nous faut savoir si papa est consentant ou si je dois me passer de son consentement. Octave, sincèrement, est-ce que l'idée de ce mariage ne vous est pas trop pénible? Et pensez-vous pouvoir être heureux avec cette petite? Pourquoi cette question? Il est bien entendu que je ne fais pas un mariage d'amour. Je ne connais même pas la jeune fille. Et le curé ne nous a pas dissimulé qu'elle était laide. Ah, c'est bien ce que je pensais. Ce mariage est pour vous le plus amer des sacrifices. Écoutez, maman, je vous parle sans détour. Plutôt que de rester sous la coupe de mon père à mener une vie de chien, je serais encore heureux de m'échapper avec la première venue. Même si elle était sans le sou, même si elle n'était pas jeune, même si... Enfin, j'espère maintenant vous avoir convaincu qu'il n'est pas question pour moi de faire un sacrifice. Moi, je veux vous croire. Mon Dieu, les pauvres enfants. Ah, si vous saviez. Non, c'est trop affreux, c'est trop épouvantable. Non, que s'est-il passé? Voyons, je vous en prie, parlez. Oui, je vais parler, mais il faut me pardonner. Je n'ose pas vous le dire. Oh, c'est Hector, n'est-ce pas? Oui. Oh, il est mort, mon mari est mort, Octave! Mais non, mais qu'est-ce que tu vas supposer? Ton mari se porte comme le pont neuf. Oh, comme j'ai peur. Ah, vraiment, ma pauvre chérie, j'ai été stupide. Si seulement j'avais pu prévoir. Bon, alors, que s'est-il passé? Ce qui s'est passé? En rentrant des vêpres, j'ai pensé qu'Hector devait être encore enfermé. Je l'entendais aller et venir dans la pièce. J'ai d'abord frappé, une fois, deux fois. J'ai crié, Hector, vous êtes là? Pas de réponse. J'ai crié, Hector, mais puisque vous êtes là, mais répondez! Alors il m'a répondu. Et que vous a-t-il dit? Il m'a dit, non, je ne peux pas le répéter, non. Il vous a expliqué pourquoi il s'était enfermé? Non! Oh, non! Mais il vous a peut-être parlé de sortir ou de rester encore? Mais non! Il m'a dit, décidément, je préfère le dire à l'oreille d'Octave. Ah, mais tu peux rire, mon garçon! Assurez-vous, ce n'est rien de grave. Une parole d'impatience, simplement. Ton mari se montre souvent grossier avec moi, mais tout de même, il n'était pas encore allé jusque-là. Oh, Hector est très tourmenté, il ne faut pas lui en vouloir. Mais vous êtes rentré très tôt. Je ne suis restée qu'un quart d'heure à l'église. Je voulais rentrer assez tôt pour avoir le temps de préparer le thé à nos visiteurs. À propos, j'ai aperçu la famille Galuchon au vêpres. Et j'ai vu l'aînée des filles. Elle n'est vraiment pas belle. J'ai fait aussi une rencontre. Une rencontre dont je me serais passée. La langue ou pas? Vous l'avez vue? Où était-elle? Au coin de la ruelle, aux brebis. Elle avançait à ma rencontre. Elle portait le pull au vert rouge qu'Hector lui a vendu hier. Il lui va bien. Si tu crois que j'ai pris garde, elle marchait, cigarette au bec, les poings sur les hanches en se dandinant. Et voilà qu'en arrivant à ma hauteur, elle me lance. Alors, on s'en va toute seule avec son parapluie. Mais vous ne lui avez pas répondu? Mais tu penses bien que non. Mais je suis devenue toute rouge. Oh, quelle époque. Tiens. Je vais me déshabiller et préparer notre repas. Oh, je vais vous aider. Mais non, à quoi bon? Hector, en voilà enfin.
inquiète. J'imaginais vos soucis, votre tourment. Quel souci? Quel tourment? Hélas, il ne vous en manque pas. Entre la maison, le travail, les créanciers, une situation qui va s'aggravant. Je n'ai même pas pris le temps d'y songer. Tout cela est tellement dépassé. Vous savez que vous êtes resté enfermé près de 24 heures? C'est possible. Je n'avais plus la notion du temps. Mais qu'avez-vous pu faire tout seul pendant toute une nuit et tout un jour? J'ai lu. J'ai pensé. Pensé? À quoi? Vous ne comprendriez pas. Il vous manque d'être préparé à certaines évidences. Mais rassurez-vous, je ne vous laisserai pas dans l'ignorance. Et du reste, je ne laisserai personne dans l'ignorance. Mais d'abord, vous allez me lire ce livre. Vie de Saint-François d'Assise. Oui, oui, oui. Édition du... Du ciel. Oui, c'est le livre que vous vous proposiez de lire hier soir. Vous l'avez lu? Il ne vous a pas trop ennuyé? Une vie de saint, j'imagine que ce n'est pas des plus folichons. Imbécile. Malheureuse imbécile. J'ai bien peur que vous ne restiez pour la vie et pour l'éternité l'indécrottable individu que vous avez toujours été. Puissais-je me tromper? Puissiez-vous, dans le troupeau des pêcheurs, n'être pas le cancre obtus et paresseux que vous étiez au lycée? Oh, soyez juste, Hector. En ces dernières années, Octave a beaucoup travaillé. Mais parce que j'étais là. J'ai longuement pensé à vous durant ces heures de solitude. J'ai pensé, entre autres choses, à votre salut. Et je me suis demandé si je n'allais pas vous le faire un coup de pied au cul. En attendant, vous allez me faire le plaisir de lire ce livre aujourd'hui même. Je vous promets de le lire. Ah, maman! Une araignée, là, sur la cheminée. Oh, mon Dieu, elle est énorme. Oh, je vais la tuer. Laissez cette petite bête tranquille. Oh, je vous promets bien qu'elle ne m'échappera pas. Laissez cette petite bête tranquille, vous dis-je. Mais qu'est-ce qui vous prend? Je ne vais pas la laisser courir sur la cheminée, tout de même. Une araignée. Eh bien oui, c'est une araignée. Et après, est-ce que toutes les bêtes du bon Dieu n'ont pas le droit de vivre et de respirer? Je ne vois pas pourquoi je vous laisserai écraser une araignée qui nous arrive. Si encore c'était pour la manger, je comprendrais. Il y a quelquefois des nécessités qui nous échappent, mais ce n'est pas le cas. Alors? Alors, il me semble que la maison est suffisamment délabrée. Je veux au moins qu'elle soit propre. Tenez-la propre et laissez les araignées en paix. Mais comme si c'était possible. Comme si une maison pouvait être propre, avec des araignées qui courent sur les meubles. Il n'y a rien qui me dégoûte autant qu'une araignée. Âme vile. Comment? Âme vile. Hector, comment pouvez-vous me traiter ainsi? Moi, votre femme, et en présence d'Octave. Araignée, ma sœur. Sois la bienvenue chez nous. Hier encore, je n'étais qu'un pauvre ignorant, et j'aurais laissé ma femme t'écraser. Mais aujourd'hui, un peu de lumière du ciel est descendue dans mon cœur. Je sais maintenant ce qu'un homme doit de tendresse et de respect à toutes les créatures de Dieu. Non, tu n'es pas une bête répugnante. Ton corps a la forme d'un bel ovale. Et tes longues pattes poilues sont finement dentelées. Tu es comme la fleur d'un fil de la Vierge. Est-ce vrai? Mais certainement. Désormais, tu seras la joie de notre maison, et notre amitié en sera la douceur. Oh, l'horreur, la voilà qui file sur le mur. Va, petite sœur, va, tu es ici chez toi, libre d'aller et venir à ta convenance. Ici, tu n'as pas besoin de vivre caché. Et ta vie m'est aussi précieuse que celle de ma femme. Oh, ben, je vous remercie, Hector. Voilà un compliment agréable à entendre. Et hier encore, vous avez tué un pauvre chat qui ne demandait qu'à vivre. Et ce chien, qu'il y a 8 jours, vous avez jeté à l'eau après l'avoir égorgé sous les yeux d'Octave. Que vous avait-il fait? Je sais bien que vos instincts de chasseur cherchent à s'assouvir comme ils le peuvent. Mais puisque vous tuez si allègrement les chiens et les chats, il est juste que vous me passiez les araignées. Louise, j'attendais vos reproches qui ne sont que trop justifiés. Il est vrai que je suis une brute, un tortionnaire, un tueur sadique tout éclaboussé du sang des bêtes innocentes.
et qu'hier encore je prenais un mauvais plaisir à chasser, à tuer, à martyriser, à chercher dans le dernier regard de mes victimes l'affolement et le désespoir de la vie qui se sent tout près de chavirer dans la mort. Oui! Tu les chats, tu les chiens, sans autre raison vraie que celle d'assouvir d'infâmes instincts. Et je ne crois pas qu'un jour je puisse l'oublier. Et je ne doute pas non plus que j'ai été capable de tuer les hommes, aussi bien, avec la même férocité. Que dis-je? J'en suis sûr, puisque j'y ai déjà pensé. Oh non, Hector, je ne vous crois pas. Heureusement, j'ai trouvé hier mon chemin de Damas. Désormais, je m'appliquerai à être l'ami des animaux et à les défendre tous, quels qu'ils soient. Mon ami, vous tombez d'un excès dans l'autre. Les araignées comme les autres, vous m'avez compris? Ne doit-on pas d'abord défendre les plus petits, les plus faibles? Vous savez que Maître Galuchon et sa femme viennent nous faire une visite avec leur fille. Il est beau que vous soyez là pour défendre les intérêts d'Octave. Est-ce que ce projet de mariage est déjà très avancé? Oh, vous savez bien que non. Le curé nous en a parlé hier pour la première fois. Tant mieux. Vous serez plus à votre aise pour expliquer aux Galuchons que ce mariage est impossible. Ah bon? Vous n'en êtes plus partisan? Oh, prenez garde, Hector, de ne pas décider à la légère. Pour penser à notre situation. Et qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? J'ai décidé qu'Octave épouserait la langouste. La langouste. Oh, c'est une plaisanterie. Votre père se moque de nous. Non. Il ne s'agit pas d'une plaisanterie. Octave épousera la langouste. C'est vrai? Vous êtes sérieux? Octave épouser cette fille, cette créature. Voyons, Hector, il n'est pas possible qu'une idée aussi absurde germe dans une tête raisonnable. Vous avez donc perdu tout sens commun, toute dignité? Je vous en prie, laissons là votre dignité. Oh, hier encore, ne l'avez-vous pas entendu dire elle-même que le commissaire de police lui a reproché d'être la honte de la ville? Voilà qui témoigne justement pour elle. Oh, le commissaire est en effet mieux placé que personne pour témoigner de sa vie scandaleuse. Oh, quelle tenue! Oh, quelle vulgarité! Il suffit de la voir et de l'entendre. Vous vous croyez peut-être supérieur à la langouste? Vous n'allez tout de même pas comparer la mère de votre fils à une prostituée? Eh bien oui, une prostituée! Une douloureuse et humble fille que ses malheurs rendent dignes d'amour et de respect. Ce sera pour nous un honneur qu'elle consente à épouser ce grand dadais qui n'est sûrement pas digne de lui laver les pieds. Mais voyons, Hector, c'est de notre fils que vous parlez. Ah, mon fils est un cornichon, mais c'est aussi un tombereau d'impureté. Mon fils est un tas de fumier, comme moi d'ailleurs, comme sa mère. Vous dites des choses révoltantes. Nous ne sommes que les pauvres roses orgueilleux qui n'avons su préférer à une vaine gloriole les vraies richesses de l'âme. Oh non, Hector, il ne s'agit pas de gloriole, mais d'honneur, et plus simplement d'honorabilité. Taisez-vous, femme frivole. Pour arracher Octave à l'enfer de notre existence, je m'accommode à contre-cœur d'une mésalliance avec la fille des Galuchons. Oh, mais n'espérez pas que je compose pour lui faire épouser une catin. Dans son abjection, la langouste est plus proche de Dieu que toutes les filles d'avoués du canton. Quand elle trousse humblement son pauvre jupon pour prendre les 100 sous d'un militaire, Dieu est là, tout près d'elle. Elle contemple son sacrifice avec bienveillance. Hector, vous êtes stupide et vous êtes obscène. Là-haut, la boue de son existence lui servira de passeport pour entrer au ciel. Et elle giclera autour d'elle en une pluie d'étoiles glorieuses. Et vous, avec tout votre honneur et toute votre dignité, je vous vois comme un gros abcès gonflé d'impureté. Un énorme abcès qui se cache sous des parchemins et de couronnements de comtesse, mais qui éclatera un jour. Et ce jour-là, jour de colère, et il éclatera dans un gargouillement de pourriture lâchée, et les anges du ciel se boucheront le nez pour ne pas sentir votre puanteur. Taisez-vous, c'est abominable. Vous n'avez pas le droit de me parler ainsi. Octave, défendez-moi, défendez votre mère. Calmez-vous, papa, vous ne pensez pas ce que vous dites. Vous aussi, Octave, vous êtes un abcès.
mais vous aurez peut-être la chance d'avoir pour épouse la plus humble des femmes et de partager avec elle sa honte au regard de Dieu. Les gens vous montreront du doigt en ricanant. Ils diront que vous avez épousé une putain de la ruelle aux brebis. On vous insultera. Et je compte bien qu'on nous insultera aussi. Vous avez l'air de vous en réjouir. Pour ma part, je me passerai bien d'être insulté. L'humilité est l'antichambre de toutes les perfections. Et c'est ce trésor-là, justement, Octave, que la langouste vous apportera en dot. Mais assez de sottises. Reprenez un peu de bon sens et pensez au bonheur de votre fils. J'y pense. Mon désir est précisément qu'Octave vive selon son cœur, sans sacrifier à des intérêts d'argent. Devrait-il, parce que nous sommes pauvres, unir sa vie à celle d'une riche héritière pour laquelle il ne saurait éprouver qu'un sentiment de rancune? Non! Octave épousera celle qu'il aime. Celle qu'il aime. Vous aimez la langouste, n'est-ce pas? À vrai dire, je me demande si... Enfin quoi, vous l'aimez? Je n'ai pas l'expérience qui me permettrait d'affirmer... Allons, c'est dit. Je vais m'habiller et je descends lui demander sa main. À quoi bon attendre? Octave! 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 Pourquoi votre père a-t-il affirmé que vous aimiez la langouste? Et pourquoi ne l'avez-vous pas démenti? Vous savez bien qu'il n'accorde aucune attention à ce que je peux lui dire. Papa a des idées si saugrenues. Voyez pour l'araignée. A-t-il fait assez de bruit pour une simple araignée? Au fait, moi je n'y pensais plus à cette araignée. Oh, je viens, petite sœur. Je l'ai manqué. Alors voilà qui pile sur le mur. Mais je l'aurai. Attention, vous allez tomber. Oh, il est là sur la plante. Oh, je l'ai encore manqué. Elle court sur le parquet. Elle est affolée. Empêchez-la de se couler sous un meuble. À vous. Ne la tuez pas. Surtout, je veux la voir vivante. Oh, cette fois. Je l'ai. Attendez, je vais lui couper les pattes. J'ai justement mes ciseaux. Mais non, pourquoi la faire souffrir? Tu es là où ce qui est encore mieux. Je vais la parasser, tout simplement. Octave! Je lui en laisse une. Rien qu'une. Regardez là, plus qu'une patte. Regardez! Ne soyez pas si nerveux, mon chéri. Elle est si drôle. Plus qu'une patte, elle est tordante. Vous la voyez bien? Relevez-vous. Attendez! Je lui coupe la tête. Ah voilà, ça y est. On frappe à la porte du bas. C'est la famille de l'avoué. Allez leur ouvrir et faites-les monter tout doucement. Je vais remettre de l'ordre dans ma coiffure. Qu'est-ce qu'on a fait de mon bouton de colle? Personne. Ah, il a ma petite sœur, l'araignée. Ah, on a touché au cadre. Araignée, araignée ma sœur, araignée ma sœur, où es-tu? Oh les brutes, oh les brutes, ils l'ont tué, malgré tout ce que je leur ai dit. Oh, ils lui ont coupé les pattes. Assassin, gros, tensionnaire. Ma pauvre petite sœur, tu étais trop petite. Ils n'ont pas eu peur de ta faiblesse. Vous faisiez partie de la bande, vous, bien entendu. La bande? D'abord, avant de m'adresser la parole, commencez par me faire des excuses, car je veux des excuses. Et moi, je veux savoir si vous avez participé à l'assassinat de cette bête. Quelle bête? Cette bête-là! Oh, mais vous êtes dégoûtant, pourquoi me mettez-vous ça sous le nez? C'est écœurant! Écœurant? Ah, n'est-ce pas? Vous êtes de mon avis. Pardonnez-moi si je vous ai soupçonné. Je ne vois pas ce qui aurait pu vous faire supposer le contraire. De nous tous, c'est peut-être vous qui êtes la plus proche de Dieu. Bien que vous soyez un être impur, pétri d'orgueil et de mensonges, un misérable ver de terre, un répugnant scorpion. Vraiment? Eh
bien moi, je vous tiens pour un mufle et un goujat. Vous voyez, vous en êtes encore à ne pas pouvoir vous entendre dire vos vérités. Mais comptez sur moi, je vous y aiderai. Allez plutôt vous habiller. J'entends venir nos gens et vous êtes à moitié vêtus. Quelle infamie, n'est-ce pas? Pauvre petite sœur. Charmante. Bonjour madame, quel plaisir pour moi. Voilà donc cette jeune fille que j'ai tant désiré connaître. Oh, vous êtes trop bonne. Je vous présente Evelyne, notre fille aînée. Charmée mademoiselle, elle est exquise. Je vous présente mes hommages madame. Bonjour maître. Asseyons-nous. Mademoiselle. Oh, vous voudrez bien excuser mon mari? Ses affaires l'ont appelé en ville. Hélas, pour un homme actif, les journées sont plus assez longues. Il faut prendre sur ses dimanches. Moi-même, j'ai à 5 heures un rendez-vous qui va m'obliger à partir avant ma femme. C'est pourquoi, si vous le permettez, nous aborderons sans trop tarder l'affaire qui nous amène. Volontiers. Octave, conduisez donc cette jeune fille en bas. Voir la salle du duel. Ah, oh, la fameuse salle du duel. Oui, on y voit encore l'endroit exact où d'un coup d'épée, le vieux maréchal de Clérambard cloua contre la porte le baron de Malfroy qu'il avait provoqué en duel. Oh, c'est une curiosité historique qui peut intéresser une jeune fille. Oh, mais je crois bien. Evelyne sera ravie. Ah oui, maman. Si vous voulez bien suivre votre guide. Oh, le comte est plein d'enjouement. C'est un garçon agréable. Il a surtout un caractère très affectueux. Monsieur Tchelet nous a fait part du bon accueil que vous avez bien voulu faire à ses suggestions. De notre côté, nous ne sommes pas moins heureux que vous à l'idée d'une union si bien assortie et nous ne demandons qu'à faire le nécessaire pour la voir aboutir. Evelyne apportera en dot à votre fils un très joli domaine qui serait pour nos jeunes mariés une agréable résidence. Notez qu'ils vivraient tous les deux fort convenablement du revenu de cette propriété. En outre, une somme de 100 000 francs compléterait la dot. 100 000 francs! Oh, maître, je regrette qu'hier soir, monsieur le curé ne nous ait pas précisé le chiffre de la dot. Vous auriez évité ainsi un dérangement et une discussion qui semble bien ne pas devoir aboutir. Oh, j'en suis fâchée, mais votre proposition est tout simplement dérisoire, pour ne pas dire désinvolte. Oh, madame, dérisoire. Mais... désinvolte. Oui, vous ignorez peut-être que le nom de Clérambard appartient à la grande histoire de France. Oh, si j'ai été maladroit, ayez la bonté de me le pardonner. Je n'avais avancé ce premier chiffre de 100 000 francs que pour amorcer l'entretien. J'ai toujours entendu vanter votre intelligence, votre probité et les sentiments de piété qui sont en honneur dans votre famille. Oh, c'est ce qui m'a d'ailleurs prévenu en faveur de ce projet. Mais... oh, nous voilà si loin du compte qu'il vaut peut-être mieux n'y plus penser. Non, mais si, je suis sûr que nous pouvons nous entendre. Voyons, quelles sont au juste vos prétentions?
Je ne vois pas qu'à moins d'un million, Octave puisse décemment faire de votre fille une vicomtesse de Clérambard. C'est aussi mon opinion. Un million? Mais grand Dieu, mais savez-vous bien ce que c'est qu'un million? Pensez-vous qu'il n'y ait rien au monde qui vaille d'être payé aussi cher? Ah, madame, vous aviez raison. Il n'y a pas d'accord possible entre nous. Oh, mais ne nous décourageons pas si vite, Eugène. La comtesse n'aura pas dit son dernier mot. Puisque vous m'y obligez, je vous rappellerai que ce mariage ne se présente pas comme la conclusion d'une idylle. Vous imaginez bien que ce n'est pas de gaieté de cœur que l'héritier d'un grand nom et d'une illustre lignée se prépare à cuisiner avec des maquignons et des épiciers, si honorable soit-il. À vrai dire, ces considérations de naissance n'ont pas dans notre milieu l'importance que vous leur accordez dans le vôtre. Pour nous, un titre de vicomte n'est guère autre chose qu'un ornement. Oh, alors, ces conditions, il vaut peut-être mieux en rester là. Mais mon mari s'est laissé aller à sa vivacité. Et ses paroles ont certainement dépassé sa pensée, n'est-ce pas, Eugène? Oui, c'est vrai, j'ai été trop vif. Je ne songe pas à nier que l'aristocratie de naissance m'est toujours inspiré des sentiments d'estime. Mais un million, madame, un million! Enfin, vous avez bien l'air de n'y pas penser. Quand un homme choisit une jeune fille pour en faire sa femme, c'est qu'il a été sensible à certaines séductions qui ne sont pas toutes du cœur ni de l'esprit. Oh, je sais bien, mais n'oublions pas non plus que l'amour fait souvent des miracles. Oh, peut-être, encore est-il nécessaire de créer les conditions de ce miracle. La promesse d'une compensation solide peut en effet faire naître dans le cœur d'un jeune homme un sentiment de reconnaissance à l'égard d'une jeune fille sans beauté et le conduire insensiblement à l'amour. Oh, je ne dis pas le contraire, mais un million! Octave est un jeune homme très affectueux. C'est un enfant plein de douceur et de bonté, il a toutes les délicatesses du cœur. Oh, voilà bien le genre de mari qui conviendrait à notre petite Evelyne. Eh oui, bien sûr, je ne demande qu'à m'entendre. Si la comtesse voulait faire un sacrifice... Vous croyez bien qu'il est déjà fait? Accordez-moi au moins une petite diminution. Eugène! Alors, soit. Il faut en passer par où vous voulez. Mais c'est dur. Ah, oh, voilà nos enfants. Alors, vous avez vu la salle historique? Ah oui, madame. C'était très, très, très intéressant. Monsieur Victor m'a montré la grande porte et l'endroit où le comte de Clérambard a planté son épée. C'était émouvant. Oh, Evelyne est une enfant très sensible. Octave est aussi. Dans ce temps-là, on n'y allait pas de main morte. Hein. Oh, il devait y avoir par là-dessous des cafés de jupons. Je gêne, voyons. Mais détrompez-vous, il s'agissait d'une querelle poétique. Le baron de Malfroy, qui se piquait d'être poète, ayant fait rimer rose avec prose, le vieux maréchal de Clérambard s'en était indigné et avait composé l'épigramme que voici. La rime qu'a rose, le baron impose, ne vaut, si j'en crois la simple raison, faire Malfroy rimer avec con. Ah, c'est bien ce que je disais. Dans ce temps-là, on n'y avait pas de main morte. Hein. Faire Malfroy rimer avec... C'est adorable, rimer avec con. Evelyne, oh, ne lui en veuillez pas, elle ignore absolument ce que veut dire ce mot. Je puis vous le jurer. Je n'en suis guère surprise. Je puis vous assurer que ma fille l'ignore aussi. La comtesse? Vraiment? Vous ne savez pas? Evelyne s'est toujours beaucoup intéressée à la poésie. Oh, j'adore la poésie. Oh, je ne vis que pour la poésie. Oh, vous savez qu'elle écrit des vers délicieux, absolument délicieux. Oh, maman! Tenez, elle a composé dernièrement trois poèmes que monsieur
le chanoine Laugier a trouvé très bon. Il est pourtant difficile. Oh, je vous félicite, mademoiselle. Et j'espère être admise à entendre des vers aussi excellents. Pour ma part, je suis impatient. Moi aussi. Evelyne, tu vas réciter ton dernier poème. Mais maman, j'ai peur d'ennuyer. Votre modestie de bon augure. Allons, mignonne, ne te fais pas prier davantage. Hein? Ouais. Allez. Je vais réciter premier bonjour. Ouais. Le printemps succède à l'hiver. Voici fleurir la prime vert et la modeste violette qui embaume les bois en fer. Déjà, les champs ont reverdi et partout les prés refleuris. Naguère endormie, la nature revêt sa plus riche parure. L'aubépine. Oui, votre sœur l'araignée. Oh, voyons, Hector, vous n'allez pas en ce moment. Oui, votre sœur l'araignée. Je ne sais pas, moi. Elle doit être derrière le cadre. Vous avez perdu quelque chose? Oh non, ce n'est rien. Non, elle n'est pas derrière le cadre. Il faut bien qu'elle se soit cachée quelque part. Elle ne s'est pas cachée. Et vous le savez très bien tous les deux, puisque vous l'avez tuée lâchement, sauvagement, après lui avoir arranché les membres. Deux monstres! Voilà ce que vous êtes. Pourquoi accusez-vous aussi Octave? Oh, c'est moi qui ai tué l'araignée. Et lui n'y est pour rien. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Octave! En effet, je n'y suis pour rien. Ah, tant mieux, mon garçon. Vous montez un poids de sur le cœur. Puisque vous êtes innocent, je vais pouvoir demander sa main à la femme que vous aimez. Tenez, je veux un instant oublier le crime de votre mère pour ne plus penser qu'à ce mariage. Je veux me réjouir de voir entrer dans notre famille une épouse aussi admirable. Les voisins nous diront, comment? Mais vous mariez votre fils à cette putain? Ah, monsieur! Vous n'avez pas le droit de parler ainsi de ma fille. Mais enfin, papa, puisque monsieur Octave m'épouse. Vous n'avez pas mis ces personnes au courant? Comment voulez-vous? Madame et vous, monsieur, je vous demande pardon. Vous avez pu penser que je parlais de cette jeune demoiselle. Mais c'est un malentendu. J'ai pour Octave de grandes ambitions et j'ai visé pour lui plus haut que votre fille. Pardon! Mais nous faire cet affront! Encore une fois, je vous demande pardon! Soyez sans crainte. Tiens, tu ne voudrais pas me tenir le bout de ma ceinture? Non, mais dis, tu me prends pour ta femme de chambre maintenant? Non, c'est pas grave, je vais l'attacher au pied du lit. C'est bon, je vais la tenir. Dans un sens, chez toi, c'est peut-être pas cher, mais si on veut bien y réfléchir... Non mais ça va, et fout le camp? Sans parler de la chambre. Allez, bonsoir. Et n'oublie pas ton Panama. Je mange pas une pleine glace. T'inquiète, t'es tout ce qu'il y a de mignon. D'après ce qu'on m'avait dit, j'aurais quand même cru que c'était autre chose. Tiens, rentrez. Je crois que voilà du monde. Mademoiselle. Oh, monsieur le comte, c'est gentil de venir me voir. Entrez. Je ne vous dérange pas? Je suis toute seule. Ça tombe à pic. Tiens, assieds-toi, mon gros lapin. Merci.
Alors quoi? On a envie de s'amuser un peu? À vrai dire, ma visite a un tout autre but. Ouh, alors pardon. Je vous en prie. Excusez. Je vous en prie. Comme c'est beau chez vous. On s'y sent déjà près du ciel. Vous, au moins, vous ne faites pas de mal aux animaux. Ah, ça, c'est vrai que les toiles d'araignée, c'est pas ce qui manque ici, hein. Bien sûr, je devrais les ôter, mais je finis par plus les voir. Et la vérité, c'est que les araignées ne me gênent pas. Ah, je savais, je le pressentais. Vous aimez toutes les bêtes, même les plus petites, les plus humbles, et vous les protégez de tout votre amour. Léonie Vincent, vous êtes un ange, une princesse du ciel et promise au ciel. Maintenant que je vous connais un peu plus, je me sens intimidé. Je ne sais plus si je puis me permettre de vous dire ce qui m'amène. Ben allez-y. Vous savez bien qu'avec la langouste, il n'y a pas besoin de se gêner. Adorable humilité. J'ai bien peur que ce malheureux soit indigne. Enfin, nous verrons bien. Je vais peut-être vous surprendre et peut-être vous scandaliser. Ouh, me scandaliser, ça m'étonnerait, hein. Je vois pas trop ce que vous pourriez me sortir. Est-ce que vous connaissez mon fils? Attendez. C'est pas lui que j'ai croisé hier au soir chez vous? Un grand sifflet, l'air un peu rondouille. Ouais, je vois que vous le connaissez. C'est de lui, justement, qu'il s'agit. En deux mots, voilà toute l'affaire. Mon fils Octave vous aime. Ouh, ah ben ça c'est facile. Une politesse en vaut une autre. Je lui laisse faire son prix. Loyal. Autant de plus à rajouter à vos mérites. Amour, humilité, bonté, loyauté. Mais je n'ai pas su le faire comprendre. Octave vous aime et désire vous épouser. Non mais dites donc, eh. J'aime pas trop qu'on se paye ma tête, hein. Vos boniments au mariage, ça pourrait bien faire du vinaigre. J'ai la tête d'un homme qui plaisante. Ouais, je me doute que ça doit pas vous arriver souvent. Il vous aime depuis 10 ans, sans oser vous le dire. Mais alors c'est vrai? C'est sérieux? Il vous aime aujourd'hui comme au premier jour. Depuis 10 ans? Ah ben quand même, pauvre môme, il aurait pu mieux tomber, hein. Mieux tomber, assurément, non. Mais sa vraie chance serait de devenir votre mari. Oh, hey, vous me faites marrer, hein. Hey. Comme si je pouvais être une chance pour quelqu'un. Une chance que, pour ma part, j'envie à Octave. Vous lui apporterez l'humilité, l'amour des araignées, la vertu de vos souffrances. Non mais vous déraillez. Est-ce que je peux apporter à Octave? Je le sais mieux que personne. Moi, ma vie, c'est vendre ma viande. Et me saouler. Puis les bagarres, les engueulades. Puis si ça se trouve, la foire d'empoigne. J'ai déjà été en prison 3 fois. Chère petite, en prison! Mais si j'étais mariée, je tiendrais pas 1 heure entre le pot-au-feu et le fer à repasser. Faudrait que je cavale. Au milieu de la nuit, en rentrant avec une biture au vin rouge. Mais je filerais aussi bien une trempe à Octave. Ah, mais oui, mais bien sûr. Quoi? Vous êtes ta femme, qu'il faut mon fils. Minute. Je me sens pas encore fiancée. Ben, je me sens comme un charbonnier devant du linge blanc. Remarquez, mon mari, je l'aimerais bien, c'est sûr. Mais quoi? Le sentiment, ça me pousse au vin rouge. Oh, je me connais. Mon époux, je lui ferai honte à tous les tournants de l'existence. C'est comme les personnes distinguées. Je pourrais pas me retenir. Faudrait que je leur balance des grossièretés et des trucs cochons en pleine table. Et ça, monsieur le comte, vous n'y pouvez rien. C'est le vice des putains. Je vous parle avec tout l'élan, toute l'ardeur de vous voir plus belle que je ne vous avais vue avant. Alors c'est vrai? Vous me trouvez bien? Je vous aime comme ma fille. Oh, vrai? Vous m'aimez un petit peu? Je vous aime pour tout, pour perfection. Mais moi aussi, je vous aime bien. Dites, vous pensez pas que tous les deux on est faits pour s'accorder? Je l'ai compris au premier coup d'œil. Oh, j'ai tellement besoin d'affection. Vous en aurez.
Avec vous, on a envie d'être gentil. Soyez gentil. Oh, mon gros loup. Mon Dieu, pardonnez-moi. La nuit avait envahi mon cœur. J'étais prêt à céder à la plus abominable des tentations. J'étais retenu par le message mélodieux du petit pauvre d'Assise. Si je laisse un instant s'éloigner de vous ma pensée, je ne suis plus que moi-même. Livré à mes instincts, je retombe à la boue. Je retourne à la violence, à la chiennerie. Seigneur, pourquoi votre présence n'est-elle pas en moi à chaque instant? Ma pauvre enfant, vous qui pensiez vous abandonner à l'amitié d'un père, méprisez-moi comme je mérite de l'être. Je ne suis qu'une bête lubrique, un cochon, un cochon. Mais, vous avez pas vu que c'est moi qui vous ai cherché, non? Bien sûr que j'aurais pas dû. Je pensais pas non plus que vous étiez dans des idées de curé, hein. Je me suis laissé aller aux habitudes du métier, sans chercher plus loin. Quand je pense, j'étais venu vous demander votre main pour mon fils, et que je n'ai pas craint de serrer dans mes bras celle dont j'espérais faire ma bru, je sens me monter au front le rouge de la honte. Ce crime que j'allais commettre, savez-vous bien que c'était rien de moins qu'un inceste? Mais non. Mais non, mais non, mais non. Écoutez, même si vous aviez été jusqu'au bout, je vous garantis que c'était pas grand-chose. N'essayez pas non plus de me rassurer. Dieu merci, je suis conscient de la noirceur de mon crime. Du reste, je n'entends pas le tenir secret. Dussé-je en crever de honte? Je le confesserai bien haut à ma femme, à ma belle-mère, et bien entendu à mon fils. Dites donc à ce propos, j'aimerais bien le voir, moi, votre Octave. Je vais l'appeler, et je reviendrai le chercher un petit peu plus tard. Quel que soit l'accueil que vous réserverez à mon fils, j'ai à vous parler de quelque chose qui me tient encore plus à cœur que ce mariage. Allez, salut, hein. Entrez. Coucou. C'est votre petit galuchon qui vient folâtrer. Oh, oh, olé, olé. Oh, je viens de croiser l'ombre dans l'escalier. Heureusement, il me faisait noir. Un client? Ça me regarde. Je vous trouve plus excitante que jamais. Oh, vous avez un nez. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu viens jamais le dimanche. Ah ben, je me suis échappé en prétextant un rendez-vous d'affaires. Depuis hier soir, je suis obsédé par le souvenir de notre dernière rencontre. Ah, ce matin, je me suis mis à 5 heures, soi-disant pour expédier un travail. En réalité, pour aller regarder vos photos. Oh, j'avais choisi les meilleures. Hein. Celles que je cache dans un volume de droit canon. Je n'en pouvais plus. Chez moi, à la messe, à table, en visite. Ah, je ne pensais qu'à ma langouste. Je croyais la voir dans sa chambre, allongée sur son petit gravat. Tout me parlait d'elle, tout. Mais ferme ça. Aujourd'hui, j'ai pas la tête à t'écouter divaguer. Oh, c'est vrai, vous avez raison, je perds du temps. Par devant nous, Galuchon Eugène, avoué, établi en la rue Fontaine, comparu en chemise et en pantalon, mais sans autre empêchement de voir ni de toucher demoiselle Langouste, de son état fille publique, domiciliée ruelle aux brebis ou à la boutique de délices, laquelle Langouste de nous requise, et pour la somme de 15 francs. Ah.
Oh, je vous ai fâché. Tu tombes mal, je suis dans un mauvais jour. Ah ben, pourtant, je me suis conduit comme d'habitude. J'ai prononcé les paroles rituelles. J'ai avancé la main. Enlève tes pattes. Vous n'avez sans doute pas réfléchi que si je laisse ici 45 francs par semaine, j'achète certains droits qui ne peuvent pas être mis en discussion. Mais je ne discute pas. Je te demande de t'en aller. Oh, ben, vous n'allez tout de même pas me laisser partir comme ça. Hein? Allons, dehors. Elle a dit ce moment. Je viens de vous donner de l'argent. Quoi? Quel argent? Les 15 francs. Ça va, on n'en parlera plus. Ah ben non, mais permettez, ça j'admettrai pas. Hein. Oh, pardonnez-moi. Comment? Vous ne croyez pas que... C'est vous, monsieur Octave. Fermez la porte. Votre présence en ces lieux est pour le moins surprenante. Maître, je suis confus. Ah, j'étais loin de penser que vous... Bien sûr, vous ne pensiez pas me rencontrer ici. Laissez-nous parler un peu. Mon cher vicomte, je me demande lequel de nous deux est le plus surpris de la rencontre. À la réflexion, je crois bien que c'est moi. Où est le mal? J'arrive à un âge où, après avoir assis solidement mes affaires et élevé dignement mes enfants, il m'est permis de penser un peu à moi. Hein? C'est bien votre sentiment. Ah, mais certainement, maître. Vous? Mon cher vicomte, vous êtes un jeune homme. Vous n'avez donc pas les mêmes raisons que moi de venir ici. Et je suis sûr que vous ne vous y sentez pas pleinement autorisé par votre conscience. Ma conscience. Ah, encore une fois, il n'est pas question de reproche. Je suis assez compréhensif pour admettre que ces sortes de jeux... ne compromettant rien votre sentiment loyal pour ma fille Evelyne. Ayons seulement la prudence de ne parler à personne de cette rencontre. Et nous finirons par l'oublier nous-mêmes. Vous venez souvent? Ah, c'est la première fois. Non! Oh, c'est trop drôle! Ah ben vraiment, vous n'avez pas de chance, hein? Allons, jeune homme, je ne vous retiens plus. Excusez-moi, mais papa doit venir me retrouver ici. Quoi? Votre papa? Ah ben c'est du propre. Maître, je dois vous dire la vérité. La fille que mon père veut me faire épouser, c'est elle. Comment? En présence de votre fille, il nous était difficile de vous renseigner plus précisément. Ben c'est juste, mais la comtesse aurait pu m'informer sans être entendue de ma femme, ni de ma fille. Peut-être, mais c'était assez gênant. Ainsi donc, l'épouse que vous destine votre père, celle dont il entend faire une vicomtesse de Clérambard, serait cette fille publique? Ah, je comprends que la comtesse ait eu honte de nous la nommer. Hein. Mais pourquoi veut-il que son fils épouse une catin? Quelle raison vous a-t-il donné d'un choix aussi extravagant? Je ne sais pas. N'importe, n'est-ce pas? Vous êtes bien décidé à épouser ma fille, en vous passant du consentement de votre père. Oui. Ah. Mais ce sera difficile. Je porte à mon père trop d'affection et de respect pour me dresser contre lui et oser passer outre sa volonté. Je ne peux pas lui faire cette peine. Allons donc! Voilà ce que vous lui direz. Vous pourrez le lui dire vous-même, il sera là dans une minute. Oh, mais alors je file. Surtout, ne vous laissez pas avoir. Ne vous engagez à rien. Venez me voir demain. Et vous, ne vous laissez pas prendre à cette histoire de mariage qui ne pourrait que vous attirer des ennuis. Adieu. Salut, hein. Je pars, le cœur lourd de regret. Qu'est-ce qu'il vient de me raconter que je pourrais avoir des ennuis? C'est qu'il veut me faire épouser sa fille. Laquelle? La plus laide? Et bien sûr. Et alors? Ah ben, je ne veux pas. C'est vrai ce qu'il m'a raconté, ton père? Que depuis 10 ans,
Oui. Depuis 10 ans, j'attends le moment de me retrouver seul avec vous. Quand j'ai commencé à venir en cachette rôder dans votre rue, je n'étais qu'un enfant. Il me tardait d'être un homme pour enfin oser, mais l'audace devait toujours me manquer. Combien de fois je suis venu à l'entrée de votre couloir en comptant mes sous dans ma poche. C'est drôle comme ça les travaille, les mômes. Hein. Et maintenant? Depuis que mon père m'a parlé de ce mariage, j'ai des moments de folie. Rien ne compte plus pour moi. Famille, considération, argent, héritière, sécurité, hop, il n'y a plus de raison qui puisse me tenir. Je veux vous épouser. Oh, je veux me vautrer avec vous jusqu'à la fin de ma vie. Et tant pis pour l'hôtel de Clérambard. Tant pis pour l'argent, tant pis pour le nom. Tant pis pour tout. Je m'en fiche. Pourvu qu'un jour je sois satisfait, rassasié, que je ne sente plus cette angoisse, ce tourment, cette folie de chaque instant qui est en moi comme une bête, une seule bête que je m'épuise à contenir. Oh ben mon vieux. Vous voulez, hein? Vous voulez? J'ai pas dit ça. Vous couchez bien avec Galuchon. Alors c'est tout ce que t'avais à me dire? Moi je croyais qu'on allait entamer la scène du 2. J'attendais la chansonnette à l'émotion, les petits mots doux. Et au lieu de ça... Oh, je viens d'avoir encore une scène avec votre mère. La pauvre femme ne comprend rien. Pas plus que ma belle-mère d'ailleurs. Eh bien, Léonie, qu'est-ce que vous pensez de mon fils? Je veux l'épouser. C'est vous qui avez eu l'idée de ce mariage. Je veux l'épouser le plus tôt possible. Naturellement, mais vous n'êtes pas le seul à décider. Eh bien, qu'en pensez-vous, Léonie? Pour être franche, ce n'est pas ce que j'attendais. Voilà qui est clair. Et le ton de votre voix ne trompe pas. Vous entendez? Vous êtes indigne de Léonie. Allons, partez. Et moi, je veux l'épouser. Vous me l'aviez promis. Je ne peux pas renoncer à elle. Je reste ici. Octave, ne m'échauffez pas les oreilles. Je veux la voir. Je veux être à elle. Je veux coucher avec elle. Et voyez-vous ce cornichon. Ah, vous seriez comme pas un. Ah, je voudrais pas me vanter, Léonie, mais je crois que cet animal-là est encore plus répugnant que son père. Je ne renoncerai pas. Je veux me vautrer sur son corps. Je veux... Rouja, hors d'ici. Faites rougir votre père. Attendez, soyez pas méchant avec lui. D'abord, vous m'avez mal comprise. Ce que j'ai voulu dire, c'est que les gringalets dans son genre, c'est pas vraiment mon type d'homme. N'empêche que... quand Octave m'a parlé d'amour, j'ai eu comme un grand coup de langueur dans le poitrail. Encore maintenant, je suis toute chose. J'ai les intérieurs en duvet de canard. Ah ben les histoires d'amour, c'est sérieux, hein. Surtout quand il y a mariage à la clé. Vous avez raison, mais je n'admets pas le langage qu'il vient de tenir devant vous. Et je n'admets pas ces rugissements de la lubricité. Mais parce que vous n'y comprenez rien. Pour moi, justement, c'est le cri de la passion. Et c'est bien ce qui me fait réfléchir. Remarquez, quand vous êtes arrivé, Octave ne m'avait pas tout dit. Et l'amour, vous savez ce que c'est? Souvent, suffit d'un rien. Un mot gazouillé, un retour de prunelle, on est chaviré. Allons, viens, Octave. Viens me roucouler tout ça dans l'oreille. Prenez garde, Léonie. Ne perdez pas votre sang-froid. Soyez tranquille, j'ai de la défense. Tout à l'heure, j'étais trop émue. Et je n'ai pas su vous dire toute la tendresse qui me... Ça va bien. Range ton boniment, c'est trop tard. Puis d'abord, tu le dis mal. T'as pas encore chopé le ton. Puis ni l'air non plus. Tu voudrais me regarder en face? Et en douce, t'as le regard qui coule dans mon corsage. Qui s'enroule autour de ma chair. Alors, quoi? Mais je t'en veux pas, tu sais. Oh, tu me ferais même de la peine, tiens. T'es qu'un pauvre môme. Pas bien solide. Des nerfs de fillette. Et puis l'air pas bien nourri. Et puis disons que t'attends, dis donc, ça doit te faire mal. Hein. C'est bon, je vais arranger ça. À partir de maintenant, on est fiancés. En attendant les sacrements, on se mariera un petit peu, de temps en temps. Monsieur Clérambard, je peux pas résister.
J'ai vu le ciel dans les yeux d'Octave. Chers enfants. Octave, rentrez à la maison tout de suite et qu'il soit bien entendu que vous ne remettrez pas les pieds chez cette fille. Octave, je vous prie de rester ici auprès de votre fiancée. Comme je vous le disais tout à l'heure, votre mère ne voit pas où sont vos véritables intérêts. Pas plus que votre grand-mère, d'ailleurs. Gendre, vous devriez au moins en face de cette fille avant la naissance de ne pas médire de votre femme ni de la mère de votre femme. Viens, mon grand, rentre à la maison. Non, grand-mère, je ne peux pas. Et pourquoi ne pourriez-vous pas? Je suis déjà lié par ma promesse. Et d'ailleurs, papa ne veut pas. Mais ne vous retranchez pas derrière l'autorité de votre père. Il n'y a personne qui puisse vous obliger à vous déshonorer si vous n'en avez pas vous-même le désir. Vous êtes majeur. Vous comprenez fort bien que ce mariage est une infamie. Qu'un homme propre et sain d'esprit, à plus forte raison un vicomte de Clérambard, ne peut pas accepter une telle déchéance. Et au fond de vous-même, vous ne l'acceptez pas. Si. Octave. Oh, mais laissez-le tranquille, ce pauvre mignon. Vous êtes toujours à l'embêter. Quand c'est pas les uns, c'est les autres. C'est bien la peine d'avoir des parents. Regardez vos réflexions pour vous, elles sont déplacées. Peut-être, mais moi je défends mon fiancé. Bon, je pense que vous étiez prête à marier ce garçon avec un sac d'écus. Quelle leçon nous donnent ces enfants. Ah, pardon. Je ne savais pas qu'il y avait du monde. Je repasserai. Oh, mais quelle horreur! Je veux dire qu'en un pareil lieu, on se trouve exposé aux rencontres les moins rassurantes. Soyez tranquille, chère madame, ce n'est pas après vous qu'il en avait. Putain! Je vous trouve une inconscience extraordinaire. Vous semblez avoir oublié tout d'un coup que notre situation matérielle est désespérée. Prenez le temps d'y réfléchir et comprenez que ce mariage est insensé. Qui donc alimenterait le ménage? Et cette personne continuerait-elle à recevoir des soldats? Et alors quoi? Vous pensez pas que mon trésor et moi, on va se laisser mourir de faim, non? Mais qu'en dites-vous, Octave? Vous ne répondez pas? Il y a là pourtant un problème qui se pose dès maintenant et qu'il faudra avoir résolu le jour de votre mariage. Louise, vous parlez cette fois raisonnablement et vos craintes sont des plus justifiées. Mais rassurez-vous, car en homme pratique, j'ai pensé à tout. Dès demain, l'hôtel des Clérambard sera mis en vente. Avec le peu que nous laisserons les créanciers, nous achèterons un cheval, une roulotte. Et nous nous en irons par les chemins et par les bois, écouter la rumeur des hommes et la chanson des oiseaux. Nous laisserons là nos soucis d'argent pour aller vivre dans la communion des gens et des bêtes, en traçant derrière nous un sillon d'amour. Mais vous ne prétendez tout de même pas nous faire vivre comme des Romains à Michel ? Et dans cette promiscuité? Mais votre idée est absurde. De quoi vivrons-nous dans votre roulotte? C'est simple. Nous vivrons d'aumône. Nous demanderons, au nom de notre Seigneur, la charité aux passants des villes. Nous irons dans les fermes et dans les champs implorer les paysans. Et à tous, nous parlerons de Dieu et du commandement d'amour. De mieux en mieux. Il ne vous suffit pas de jeter votre fille dans les bras d'une créature et de changer tous en Romain Michel. Vous voulez encore que votre famille vive de mendicité? Oui. Oui. C'est mon ambition. Et je n'en vois pas de plus haute. Le monde souffre de n'avoir pas assez de mendiants pour faire comprendre aux hommes la douceur d'un geste fraternel. Hector, je veux croire encore que la nuit suffira à dissiper vos rêveries. Oh, venez, maman. Venez. N'avez-vous pas conscience de cette transformation soudaine qui s'est opérée en vous? Oui, et cette métamorphose qui a frappé votre esprit, je la dois à un miracle. Vous me comprenez bien, Louise? Un miracle! Mais qu'entendez-vous par là? Que voulez-vous que j'entende si ce n'est un miracle du ciel? Rentrez-vous reposer, vous êtes exténué, vous avez fourni ces dernières semaines un effort surhumain. C'était hier, je venais d'étrangler le chien du curé. Je suis redescendu prendre ma place parmi vous, et alors un moine est entré dans la pièce. C'était Saint François d'Assise. Le curé s'est levé pour prendre un congé, et en sortant,
Il a retrouvé son chien. Mais vivant. Ah voyons, il était vivant. Le saint l'avait ressuscité. Un miracle s'était accompli. Vous m'entendez? Un miracle. Vous êtes tous silencieux. Doutez-vous de mon témoignage? Mais non, Hector. Vous savez bien qu'ici, personne ne songe à mettre vos paroles en doute. Alors vous ne me croyez pas. Et vous? Et vous? Mais vous savez bien, Hector, que nous croyons tout ce que vous dites. Vous non plus, vous ne me croyez pas. Je ne voudrais pas vous vexer. Mais moi, votre histoire, je la trouve dure à avaler. Mais pourtant, le saint s'est manifesté encore tout à l'heure ici même. Oui, c'est une chose qu'il me faut vous confesser. Alors que j'entretenais Léonie Vincent d'un mariage avec Octave, j'étais assailli par tous les démons de la lubricité. Une chaleur d'enfer s'est répandue dans mon corps. J'ai pris cet enfant dans mes bras. Je l'ai serré, pressé contre moi avec une ardeur insensée. J'allais me jeter et l'entraîner dans la damnation de la fornication et de la stress. Heureusement, c'est alors qu'un chant d'oiseau s'est élevé dans la pièce. Un chant triste et mélodieux comme le doivent être les sanglots des anges du ciel. Et ma chair brûlante s'est apaisée tout à coup. Le repentir est entré en moi comme une eau froide et amère. Sauvé ! J'étais sauvé ! C'était lui ! C'était le petit pauvre ! Il avait eu pitié de moi encore un coup. Il avait eu pitié de mon âme en détresse. Et il m'avait averti. Quand c'est pas le moment, tu ferais mieux de prendre exemple sur ton père et de te conduire en gentleman. Tu peux pas me faire la conversation gentiment? Je suis ta fiancée. Ma fiancée et bientôt ma femme. Ma femme de tous les soirs. Ouais, toi, dans le sentiment, tu penses tout de suite au traversin. Mais toi, tu m'aimes? Ça se peut. Tu parais n'en être pas sûre. Ben, c'est qu'au fond, j'ai pas l'habitude d'être demandée en mariage. Ces trucs-là, ça me monte un peu à la crête. Hein. Faire vraiment envie de ce mariage. J'ai calculé que la vente de l'hôtel, une fois les créanciers satisfaits, doit nous rapporter 3500 francs. Quand j'aurai payé la roulotte et le cheval, il me restera donc au moment du départ 1500 francs à distribuer aux pauvres. Moi, si j'étais vous, je laisserais les pauvres se débrouiller. Hein. Bah, si vous lâchez vos 1500 francs, c'est vous qui devenez les pauvres. Mais c'est bien ce que nous voulons être. Pas moi. Moi, je ferai comme tu feras. Pourvu qu'on se marie. Mais une fois marié, qu'est-ce qu'on ferait? À continuer le métier, c'est pas possible. Hein. Ce serait quand même une honte que pour 100 sous, un militaire puisse s'offrir la vicomtesse de Clérambard. Il va falloir que j'y aille. J'ai mon rendez-vous. Quel rendez-vous? Mon client du mardi matin. Tu ne vas tout de même pas aller le retrouver? Non mais t'es drôle. Avec lui, c'est les 15 francs qui tombent à chaque coup. Reste ici, hein. Je t'interdis d'aller le retrouver. Non mais qu'est-ce qui te prend? Tu penses pas que j'ai de l'argent à jeter par les fenêtres, non? Tu es ma fiancée, tu n'as pas le droit. Fiancée, c'est pas un métier. Faut manger. Allez, salut. Non, c'est impossible. Papa, Léonie veut partir pour aller rejoindre un client. C'est qu'elle se soumet avec simplicité. Considérez plutôt cette chance que vous avez si peu méritée, ne soyons pas ces cornichons. Ce soir, l'hôtel sera vendu. Demain, nous serons sur les routes. Une autre clientèle vous attend. Une clientèle dégarée, aux cœurs endurcis par l'orgueil, la méfiance, la misère, l'ignorance. Vous ne deviendrez alors une vraie fille d'amour, une vraie fille de joie.
car chacune de vos paroles sera pour celui qui l'écoutera une source d'amour et de joie. Vous dites ça? Faudrait d'abord décider Octave. Octave fera ce que j'ai décidé pour son bien. C'est une âme de pénombre. Je ne valais pas mieux que lui, mais notre Seigneur m'a fait miséricorde. Et le petit pauvre d'Assise m'a ouvert les yeux. Soyez sans crainte. Je suis sûr que vous ferez un mendiant très convenable. Non, je ne veux pas être un sans-dents, un miséreux, un paria. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est notre roulotte. Comment la trouvez-vous? Elle est compartimentée en deux chambres. En attendant que ces deux-là soient mariés, vous dormirez avec Léonie dans la plus petite. Oh, vous pouvez y compter. Léonie vous parlera de la vie de saint François d'Assise, qu'elle connaît maintenant aussi bien que moi. Pendant que j'y pense, ne tardez pas à faire votre baluchon. Dans un quart d'heure, je vais chez le notaire et aussitôt après, nous partons. Venez avec moi tous les deux. Je monte au grenier où j'espère trouver quelque objet utile. Octave, veux-tu rester une minute? Bon. Es-tu toujours décidé à épouser cette fille, à monter avec elle dans la roulotte? Et à vivre de mendicité? Non, je reste ici. Ben, où ici? Dans une heure, nous n'aurons bientôt plus de maison. Ou tu épouses Evelyne Galuchon et il n'y a plus de problème. Ou tu trouves une place d'employé de bureau ou de magasin. En tout cas, il est temps de prendre une décision. Je vais voir. Je vais réfléchir. Tu as vu cette roulotte? Oh, oui. Tout à l'heure, quand je suis sortie. Et tu sais qu'il a un acquéreur et que dans un moment... Oui, naturellement. Et il m'a tout expliqué. Où est-il? Il est allé fouiller au grenier. Tu as vu Maître Galuchon? Ça va s'arranger? Oh oui. Bien sûr, il m'a démontré qu'il fallait faire venir le médecin aliéniste de toute urgence. C'est bien ce que nous pensions toutes les deux. Oh, oui. Bien sûr, faire interner Hector, ce serait couper court à ses extravagances et sauver ce qui peut encore être sauvé. Quant à savoir s'il est vraiment fou, je suis loin de posséder une certitude. Le médecin nous le dira. Oh, un médecin aliéniste est toujours prêt à reconnaître un fou. Reconnaître que la conduite de ton mari ne laisse guère de place pour le doute. Oh, je ne suis pas de votre avis. Comment faire la distinction entre la folie et l'exaltation? Vous sortez? Oui, je vais chercher le curé. J'ai pensé qu'il pourrait raisonner Hector, le persuader. Le ramener à la sagesse. Oh oui, vous avez raison, maman. Hélas, il faut tout essayer. J'y vais, nous n'avons pas de temps à perdre. Hein? Ah, c'est vous, Louise. Vous avez l'air désemparé. Je voudrais tant vous aider. Je viens de monter au grenier où j'étais remonté depuis samedi dernier. J'ai trouvé le cadavre du chien que j'avais tué ce jour-là. Ah bon? Mais alors? J'avais cru étrangler le chien du curé, mais c'était un autre chien qui lui ressemblait, ou même qui ne lui ressemblait pas. En somme, contrairement à ce que vous pensiez, il n'y a pas eu de miracle. Non, il n'y en a pas eu! Vous voilà satisfaite? Allons, dites-le, vous gênez pas! Mais Hector, je comprends votre désarroi, mais la vérité n'est-elle pas toujours un bien? Prenez-en bravement votre parti de ces soi-disant prodiges sur lesquels vous avez fondé toutes vos erreurs. Il ne reste rien. Vous aviez raison. Vous aviez raison, il ne reste rien. Rien, rien, rien. Victor, je vous vois effondrer, mais si vous saviez à quel danger vous venez d'échapper, vous auriez sûrement moins de regrets. De quel danger parlez-vous? J'ose à peine vous le dire. Quand vous avez parlé de miracle, personne n'y a cru. Mais parbleu, je l'ai bien vu! Vous me preniez pour un fou! Mais mettez-vous à ma place! S'il ne s'était s'agi que de miracle. Mais il y avait ce mariage avec une fille publique, la vente de ce vieil hôtel, enfin le départ en roulotte au hasard des chemins, dans cette vie de mendiant et de prêcheur à laquelle vous nous condamniez. Un seul des projets aussi extravagants suffisait à nous faire douter de votre raison. Mais vous ne dites rien. Mais ces projets, qui vous dit que j'ai renoncé?
Et d'abord, pourquoi y renoncerais-je ? Victor, ayez pitié de votre femme. C'est moi qui finirai par être folle. Allez-vous me dire aussi que vous persistez dans cet absurde projet d'emmener votre famille dans une roulotte ? Victor ! Eh bien oui, je persiste. Est-ce donc si surprenant ? Ai-je besoin d'un miracle pour aimer mon prochain, pour le servir et pour l'aider à marcher dans les voies du Seigneur ? Est-ce que la foi n'y suffit pas ? Vous n'avez pas l'air de bien comprendre ce qu'est la foi. Mais la foi, comment vous est-elle venue ? Que voulez-vous que ça me fasse ? J'ai la foi, peu importe d'où elle me vient. En trouvant ce chien au grenier tout à l'heure, j'ai eu un moment d'égarement. J'ai douté. À présent, je remercie Dieu qu'il n'y ait pas eu de miracle. Heureux ceux qui n'auront pas vu, mais qui auront cru. Le miracle, c'est qu'il n'y en ait pas eu. Et que ma foi s'en est trouvée affermie. Exaltée. Je voudrais déjà être parti. Je vais enterrer ce pauvre chien. Hector. Oh, cette vie de peine et de pauvreté, nous l'avons partagée. Je ne voudrais pas en avoir vécu d'autres. Mais maintenant, Hector, maintenant. Louise, vous avez tant à me pardonner. Pourtant, je ne rêve qu'à vous demander de nouveaux sacrifices. Et je vous aime tant que j'en ai ni honte ni regret. Au contraire. Misérable, criminel, crapule. Ah, vous aviez calculé votre affaire, hein, n'est-ce pas ? Vous êtes un vaurien et un suborneur. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que votre fils vient de déshonorer ma cadette. Et vous n'avez rien fait pour l'en empêcher ? Ah, mais je suis arrivé trop tard. Le déshonneur était consommé. Oh, je suis désespéré. Je ne survivrai pas à ma honte. Hein. Si encore c'était Evelyne. Mais il a choisi la plus jolie, naturellement. Hein. Octave, ici, voyons, gradin scélérat, sinon vous avez trahi votre fiancé, vous avez osé lui faire cet affront, et vous êtes possédé du démon. Punissez-moi, frappez-moi, je suis un misérable, j'ai cédé à un malheureux entraînement, et maintenant je suis dévoré par la honte et le regret. Octave, cessez de jouer la comédie, c'est odieux. Allons, mon garçon, il ne faut pas désespérer de la miséricorde divine. Puisque vous vous repentez sincèrement, vos péchés vous seront remis. Et maître Galuchon vous pardonnera aussi. Et il se repent. Mais je me fiche de se repentir. C'est pas ça qui arrangera les choses, hein. Oh, mais je suis prêt à réparer. Alors, bah, naturellement. Oh, c'est commode. Je ne pense pas qu'il y ait mieux à faire. Moi non plus. Bien sûr, hein, vous êtes content, hein. Mais n'attendez pas que la dot soit aussi importante. La dot ? Mais nous ne voulons pas un sou. Octave et sa femme vivront avec nous dans la roulotte et nous n'aurons que faire d'une dot. N'exagérons rien, Hector. Bien sûr qu'il n'est pas question que ma fille vive dans une roulotte. Ah, ça ne fait rien. Ah non, pas dans une roulotte. Vous voyez que dans votre grenier, il n'y a pas que des chiens crevés. Regardez ça. Un manteau de cocher du temps de ma grand-mère. Une lanterne. Et une bâche. Pour abriter le canasson. Ma chère enfant, j'ai à vous apprendre une bien triste nouvelle. À moi ? Pendant que vous étiez au grenier, Octave a trahi votre amour et votre confiance. Il a péché avec une jeune fille, il doit l'épouser. Non mais dites donc, il a péché avec moi aussi. Comment ? Vous avez manqué de respect ? Bah, depuis 10 ans qu'il attendait, il avait des excuses. N'empêche, j'ai la priorité. Puisque c'est comme ça, tu me dois 100 sous. Et tu as de la chance que je ne t'aimais pas pour de vrai. Parce que j'aime mieux te dire que sinon, ça ne se passerait pas comme ça. Mais pour la langouste, les gars dans ton genre, c'est de la petite espèce. C'est du vaurien, du déchet.
quand même, hein, si j'ai un truc qu'à te dire, hein, c'est de ne pas rester là plantée devant moi, mais d'aller ailleurs te faire voir. Et tout de suite! T'as compris, tocard? Oh, c'est bon, je veux pas faire d'histoire. Je n'ai plus rien à faire ici. Comment, mais vous avez tout à faire ici. J'ai besoin de vous. Nous avons tous besoin de vous. Songez que dans un quart d'heure, nous partons. Vous êtes gentil. Je n'ai plus aucune raison de partir avec vous. Octave ne méritait pas une femme telle que vous. N'y pensez plus. Si je pouvais. À vous, je peux bien le dire. Hein. Octave, je l'aimais. Bon, bien sûr, vous me direz, je ne suis qu'une putain. Et vous n'aurez pas tort. N'empêche que je l'aimais quand même. Il y avait aussi l'idée du mariage qui me trottait par la tête. Hein. L'idée de faire une fin pendant qu'il était encore temps. Ce que je vous propose, ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Bon, bien sûr, je dis pas. Remarquez que la Vierge, les anges et le bon Dieu, je suis pas contre. Mais j'y crois guère. Ayez confiance. Vous avez découvert le petit pauvre d'Assise, vous découvrirez Dieu. Non, laissez, je vais monter tout ça dans la roulette. Venez. Octave prétend que c'est en lisant la vie de Saint François d'Assise que lui sont venues ses idées bizarres. Puisque le comte a été touché par la grâce, ben, évidemment, c'est ennuyeux. Si vous pouviez le remettre dans le bon chemin. Vous me proposez là une tâche difficile. C'est pas une position avantageuse que d'avoir à combattre les bons sentiments dans le cœur d'un homme. Enfin, je ferai de mon mieux, hein. Ah, monsieur le comte. Bonjour, curé. Vous savez la nouvelle? Il se prépare un orage d'amour qui va crever sur le monde. On m'a fait part de vos projets. Je vous avoue qu'il m'inquiète. Faire vœu de pauvreté quand on a la charge d'une famille ne me paraît pas une partie très sage. J'ose vous rappeler que vous vous trouvez vous-même dans une situation matérielle des plus difficiles. Au contraire, elle est des plus faciles. Je suis déjà pauvre et je ne rêve qu'à être plus pauvre encore. Votre zèle m'apparaît des plus respectables. Mais méfiez-vous d'être présomptueux. L'Église se méfie des francs-tireurs. Et à juste titre. D'autre part, en ce qui concerne les miracles... Ah, vous aviez raison. Il n'y a pas de miracle. Vous n'y croyez plus? Non, pas à celui-ci. Mais je crois au miracle passé et à venir. Car il y en aura d'autres, j'en suis sûr. Il y en aura jusqu'à la fin des temps. Et pour ceux qui oseraient ricaner, je me charge de leur tirer les oreilles. Oh, vous ne changerez jamais. Vous resterez toujours l'homme violent, excessif, intransigeant que vous avez toujours été. Et le curé, vous êtes en train d'interpréter les évangiles. Louise, il est temps de nous préparer. Monsieur le comte, les démons se dissimulent déjà derrière vos bonnes intentions. Ah, mais Dieu ne réserve-t-il pas toujours la part du démon dans le cœur des hommes? Oui. Ah, voici le docteur. Cher docteur. Bonjour, monsieur le comte. Bonjour, docteur. Comment vous portez-vous? Ah, je me porte bien. Je me porte même très bien. Vous avez pourtant l'air d'avoir mauvaise mine, comme si vous étiez surmené. Je suis fou. Je suis fou d'espérance. Je suis fou d'amour. Je me sens brûlé d'une tendresse insensée pour tout ce qui souffre, tout ce qui respire. Votre mari est très atteint. Mythomanie, perversion mentale, régression de l'instinct de propriété. Confusion des valeurs sociales, c'est très grave. Oh non, docteur, vous vous trompez. Vous ne comprenez rien au changement qui s'est opéré en lui ces derniers jours. Regardez! Regardez! Le petit pauvre d'Assise, dans sa robe de mendiant, deux anges se tiennent à ses côtés. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est une folie contagieuse. Je crois rien du tout. Oh! Et moi qui ai la vue basse. Et en plus, j'ai oublié mes lunettes. Ah ben tiens, en fait. C'est ce que je dirais à Monseigneur, que j'avais oublié mes lunettes. Excellente idée. Bon, je me demande ce qu'il peut oublier moi. Bon, je vais me rapprocher un peu. Je vois rien du tout. Adorable vision. Le plus doux des serviteurs de Dieu. Le plus humble et le plus glorieux des pauvres
bénissant notre roulotte de mendiants. Vous avez vu les anges? Ils ont attelé le cheval à la roulotte. Et le cheval, il a mangé dans la main du petit pauvre d'Assise. Et le sang lui a caressé l'encolure. Ah, à présent, tout est simple, tout est clair. Moi aussi, j'ai hâte d'être pauvre et de prêcher l'amour. Debout, allons témoigner. Si les anges eux-mêmes ont attelé le cheval, c'est qu'il nous faut partir sans tarder. Gendre, vous êtes un être exquis. Et ma femme, en partant. Eh, c'est une unier chargeur. Mais je me demande bien ce que ce mélange-là aura donné dans un mois. Hein. Ouais. D'être venu. Alors je ne veux pas vous faire, les décors sont deux, quoique ils sont de Claude Catul, et les costumes aussi. Bonne soirée. Thank you.